est parti un quartet de pop dans un jet privé. On est arrivé à l'aéroport de Tokyo. Il y avait une foule qui nous attendait, qui voulait qu'on signe des autographes. Et le plus beau, c'est la musique. Les musiciens, quand ils sont montés sur scène, ça partait dans tous les sens, des couleurs que j'avais jamais entendues, une musique complètement avant-gardiste. Il faut absolument que je revienne. Mes amis, ma famille, il faut qu'ils voient ça. Ça a pris 2 semaines. Et quand c'était bon, on nous a dit, allez-y les gars, faut y aller, c'est maintenant. Alors on s'est rincé en vitesse, on est monté sur scène, et le concert a commencé. El Bandido a marché jusqu'au comptoir. Señorita, una cerveza, si no... Coca-Cola, por favor. Et il est entré dans la boutique. C'était toujours aussi sombre. Il a laissé un peu plus de temps pour que ses vieux yeux s'habituent à l'obscurité. Mais tout de suite, cette odeur. Ils m'ont attrapé, ils m'ont arraché ma guitare, ils m'ont arraché mes vêtements, ils m'ont emmené au milieu du stade et m'ont jeté en l'air. 1 mètre de haut, 5 mètres de haut, 10 mètres de haut, et là... J'ai senti une main m'attraper. Lâchez pas, monsieur. Je vous tiens. Bonté divine, c'était Jean-Pierre, notre agent de sécurité, qui arrivait en hélicoptère pour nous porter secours. Milo Gambetta.